Bonsoir à tous. À la une de ce journal, pas de liberté provisoire pour Maurice Kamto et ses alliés politiques. Leur demande en habeas corpus a été rejetée au tribunal de grande instance à Yaoundé. Et ce soir, leur camarade politique et avocate, Maître Michel Ndoki, les rejoint à la prison principale de Kondengi après son inculpation et sa mise sous mandat de détention provisoire. Ces différentes décisions de justice interviennent au moment où les principaux partenaires internationaux du Cameroun, les États-Unis et l'Union européenne, s'inquiètent de la dégradation de la situation politique et du climat social de plus en plus délétère. Nous en parlerons dans ce journal. Et Yaoundé, qui vit également au rythme d'une autre affaire d'État, le cas Mbengo qui met en branle la République du Cameroun. Où en est-on aujourd'hui? Officiellement, il n'a pas été inculpé et pourtant, le tribunal criminel spécial passe au peine fin. L'affaire Mbengo entre perquisition et audition qui se multiplient. Nous ferons le point dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Maître Michel Ndoki doit passer sa première nuit à la prison principale de Yaoundé. En ce début de soirée, elle vient d'être inculpée et mise sous mandat de détention provisoire. L'information est publiée sur le compte officiel du porte-parole de Maurice Kamto. Il précise qu'elle a gardé son grand sourire durant cette journée passée au tribunal militaire à Yaoundé. Cette femme politique et avocate au barreau du Cameroun estime qu'elle subit une machine répressive, juridico-politique et administrative. Elle s'était exprimée pour la dernière fois dans une interview accordée à une chaîne française. Je vous propose à nouveau de l'écouter. Je me cache depuis ce jour-là parce que, premièrement, c'est effrayant de se rendre compte qu'on est une cible et qu'on n'est pas la seule. Deux jours plus tard, on arrête Maurice Kamto, on arrête Christian Pendaïkoka, on arrête Albert Zongan. Et on va chercher Célestin Djamène à l'hôpital. Lorsque toutes les figures marquantes de cette contestation finissent derrière les barreaux, forcément je me dis que mon tour va venir. Et ce qui est inquiétant, au-delà du fait que, bien entendu, on ne va pas avec plaisir ni avec sérénité se livrer aux mains de l'État camerounais, ce qui m'inquiète surtout, c'est que mes plaies ne sont pas cicatrisées, qu'elles réclament des soins quotidiens, que nous sommes dans une zone humide, ce qui veut dire que, compte tenu de leur gravité, s'il n'y a pas de soins quotidiens, si les pansements ne sont pas changés, que ce n'est pas correctement nettoyé, il y a un risque d'infection que j'ai déjà dû lutter contre un début d'infection. Je crains donc effectivement que dans ma situation, de me retrouver derrière les barreaux signifie une dégradation sérieuse, si ce n'est définitive. De ma santé. C'est la raison pour laquelle je me cache, c'est la raison pour laquelle je suis obligée de couper tout lien avec ma famille, mes enfants, mon travail aujourd'hui. Maître Michel Ndoki, dans cette dernière interview, elle a été arrêtée dans la région du Sud-Ouest, transférée à Yaoundé. Elle vient d'être inculpée et mise sous mandat de détention provisoire. Décision du tribunal militaire, elle va passer sa première nuit à la prison principale de Yaoundé, là où se trouvent d'autres de ses camarades politiques, notamment le professeur Maurice Kamto. Lui aussi, il a assisté au rejet de sa demande de mise en liberté provisoire devant le tribunal de grande instance à Yaoundé. Ses alliés politiques également n'ont pas eu un sort plus heureux. Eux aussi restent en prison. Et rappelons que le gouvernement de la République du Cameroun a réagi à travers le ministre de la Communication, estimant que professeur Maurice Kamto et ses alliés politiques n'ont pas été arrêtés pour des raisons politiques, mais pour des faits de droit commun, entre autres insurrection, appel à l'insurrection, rébellion contre
rébellion en groupe, mais également hostilité contre la patrie. Malgré ces propos du gouvernement, l'Union européenne et les États-Unis demandent la libération du professeur Maurice Kamto pour décrisper la situation politique au Cameroun. Et parlons à présent du chairman du SDF qui s'est rendu à l'audience relative à l'affaire État du Cameroun contre des leaders du mouvement séparatiste anglophone. Le principal accusé, Sissiku Ayuk Tabe, a été empêché de saluer John Fundi dans la salle d'audience selon ses avocats. Cela a créé des éclats de voix. L'audience a été suspendue et renvoyée pour le 29 mars prochain. Et le chairman du SDF, avant de se rendre à Yaoundé, s'est exprimé sur la célébration de la fête, la Journée internationale de la femme. Pour le chairman du SDF, ni John Fundi, les femmes doivent boycotter les activités gouvernementales relatives à cette fête afin d'exprimer leur solidarité à l'endroit de leurs sœurs, victimes des affres de la crise anglophone et des affrontements armés entre groupes séparatistes et les forces de sécurité. Je vous propose d'écouter le chairman du SDF, ni John Fundi. Instead of celebrating this day, let the women sit down and weep. Au lieu de festoyer ce 8 mars, j'appelle les femmes anglophones à faire le deuil de leurs époux et enfants qui sont tués au quotidien. Ainsi, leurs larmes seront un message à Paul Biya. Mais c'est regrettable pour le Cameroun de vivre de telles atrocités. In modern times, this is what we are going through. I'm surprised. Je suis étonné et choqué pour ce que nous vivons dans ce pays. Nous devons accorder un peu d'humanité à la femme. Looking at the local woman. I don't know whether the government of Cameroon. Je doute fort que le gouvernement camerounais maîtrise l'historique et les enjeux de la Journée internationale de la femme afin de susciter l'engouement populaire. L'élite administrative anglophone contribue chacune 1,5 million de francs CFA pour offrir le pain du 8 mars aux déplacés anglophones de Douala et Yaoundé. Ces élites-là sont sans aucune émotion pour des femmes et enfants en détresse dans la promiscuité en forêt. In mosquitoes, they are contributing money to buy material gift. Les femmes se devraient de réfléchir pour trouver solution à la crise anglophone. For the solutions of what we are going through, j'appelle donc toutes les femmes à un élan de sympathie pour leurs sœurs violées tous les jours. Raped every day. Reliable, authentic information reaching me this morning. De sources crédibles, j'ai appris ce matin qu'une femme enceinte de 3 mois a été violée dans son domicile. Devons-nous continuer à regarder de telles atrocités toute notre vie? Et toujours dans ce chapitre concernant la crise anglophone, le ministre de la Défense est rendu au chevet des soldats victimes des affres de cette crise anglophone et interné à l'hôpital militaire à Yaoundé. Joseph Béthier Assoman leur a présenté la compassion et la solidarité du chef de l'État et de son épouse Chantal Biya. Il s'est rassuré que ces soldats blessés durant les opérations militaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont mis aux petits soins à l'hôpital militaire de Yaoundé. Il s'est félicité de leur courage et leur bravoure durant ces opérations militaires et il a fait savoir qu'ils sont prêts à retourner sur le front de guerre une fois leurs blessures guéries, eux qui défendent l'intégrité du territoire, a-t-il précisé le ministre de la Défense lors de la visite aux soldats blessés dans les régions anglophones et internés à l'hôpital militaire du côté de Yaoundé. Et parlons à présent de ces femmes qui tentent de déconstruire les préjugés des hommes et de la société autour des métiers qui jusqu'ici étaient réservés aux hommes. Il y a parmi elles des femmes qui tiennent des ateliers de menuiserie à Bouda et la qualité des meubles de ces artisans, de ces femmes artisans, sont très appréciées par les populations du côté de Bouda. Reportage Raphaël Tchoko et Gladys Sidi. Adeline Toukam est dans son atelier de menuiserie au quartier Montio dans la ville de Bouda.
Elle s'est lancée dans cette activité depuis 8 ans. Et aujourd'hui, elle transmet avec aisance le savoir. À ses côtés, un jeune stagiaire, élève au lycée technique de Bouda. Comment est-ce qu'elle en arrive là? C'est un métier qu'il a choisi depuis sa tendre enfance. Habituée au petit bricolage à la maison et parfois même au lycée. Chez nous à la maison, quand je voyais les meubles en fait à base du bois, bon, ça m'encourageait beaucoup, j'aimais beaucoup. Bon, là, j'ai dit pourquoi pas moi aussi m'exercer dans ce métier et faire un truc, monter aussi quelque chose. Déjà, bon, avec les travaux pratiques qu'on demandait à l'école, j'essayais toujours de fabriquer les petits meubles, mais en bambou. Adeline Toukam a pourtant fait son parcours secondaire dans l'enseignement général. Elle arrête les études en classe de seconde et se consacre entièrement à la menuiserie. J'ai fait un enseignement général. Et au niveau de la seconde, quand j'ai laissé les classes, j'ai dit bon. Quand mes parents m'ont demandé qu'est-ce que tu dois faire, tu veux faire quoi? J'ai dit bon, je veux faire dans la menuiserie. C'est là aussi, je me suis lancée dedans. Bon, voilà, jusqu'à nos jours, j'ai tenu la formation. J'ai fait 3 ans de formation, 3 ans et demi de formation. Là. Comme aujourd'hui, je suis ici à la rue Azé, Moisey, les aides aussi là. Aujourd'hui, Adeline est une femme épanouie dans son travail, engagée, autonome, avec comme défi celui de transmettre le savoir aux jeunes qui s'intéressent à la menuiserie. Il n'y a pas de métier pour les hommes et pour les femmes. Tout métier, bon, je peux dire, tout métier peut s'exercer par toute personne. J'encourage plus d'autres d'entrer dans ce métier comme moi. Tout c'est dans le cœur. Si tu qui veux peut. Parce que si je ne voulais pas, je ne pouvais pas être dans ce métier. J'avais beaucoup aimé. J'ai une fille stagiaire du lycée technique, elle peut faire son cap. Elle est là chaque vacances. Bon, cette année, elle fait son cap. J'en ai eu 3 cette année, parmi lesquelles il y a une fille. Grâce à la menuiserie, Adeline Toukam a réussi à donner un sens à sa vie. En déconstruisant les stéréotypes sur les métiers dits consacrés uniquement aux hommes ou encore aux femmes. C'est avec fierté qu'elle exerce aujourd'hui le métier de menuisier. Un autre coup de projecteur, cette fois-ci sur des femmes casseuses de pierre, dans des conditions de travail intenables. Elles cherchent des moyens de subsistance pour soutenir leur famille. C'est le constat que fait Leclerc Sakem dans ce reportage. À première vue, l'on se croirait à un son de tournage d'un film hollywoodien. Que non. Nous sommes à la carrière de Forêt Kitson dans la région de l'Ouest Cameroun. Dans ce cercle de pierre se trouvent les femmes. Elles ont laissé leurs jupes pour enfiler les tuniques des circonstances. Le travail des femmes suscite toujours un vif intérêt, mais trop souvent aussi de fortes incompréhensions. Le dénominateur commun de ces dames, c'est celui du bien-être familial. La souffrance où on était avec mon mari, il faut que donc je le motive pour qu'on soit à deux et pour qu'on puisse être quand même quelque chose pour le lendemain. Donc pour sauvegarder les enfants. Moi aussi, je suis venue, j'ai trouvé comment on. Donc, j'ai vu comment on travaille. Moi aussi, je me suis mise à travailler, n'ayant même pas peur. Pourquoi? Parce que le travail qu'un être humain travaille, n'importe qui ne peut pas avoir peur. Si tu as le cœur, si tu as le courage de faire cela, tu peux le faire sans avoir peur. Je suis à la maison à 8 heures. Je viens à la carrière pour casser les graviers, pour aider mon mari. Et quand j'arrive à la carrière, il faut que je porte mes gants et je prends mon marteau pour casser les pieds. Et je rentre à 13h, 14h comme ça. Et en rentrant, je fais un peu, je casse peut-être 2 brouettes comme ça. Là. Ça pointe ma journée, même 1000 francs, 2000. Pour qu'on encadre nos enfants. Et on essaye aussi de manger, de faire un peu les choses à la maison. Je suis une veuve et la carrière m'aide à envoyer mes enfants à l'école, à les soigner, à les faire manger et aussi prendre soin de ma santé aussi. Elles invitent leurs camarades femmes à ne plus croiser les mains pour attendre la manne qui tombera du ciel. À mes amies femmes que c'est pas bien de trouver un homme chez lui et rester croiser les bras pour l'attendre qu'il va rentrer avant de te donner un peu d'argent pour aller faire tes besoins, regarder les enfants. Tu dois sortir, aller lui trouver, vous travaillez ensemble pour vous encadrer et vivre aussi. C'est qu'une femme dans la vie doit bien se battre, ne pas rester croiser les bras pour attendre l'homme. Je me bats,
je l'aide aussi. Il se bat de son côté. Comme ça, nous formons une bonne union pour bien encadrer nos enfants. La femme ne peut pas toujours penser que le 8 mars, c'est pour aller, c'est pour acheter le pain, c'est pour coudre le pain ou c'est pour aller boire. Non, il faut se battre. En attendant l'autonomie de ces femmes dans cette carrière de pierre, elles sont encadrées au quotidien par les hommes. Les femmes que nous encadrons ici, nous êtes les femmes volontaires en prenant le marteau et taper 2 brouets de gravier par jour. Dès que ces 2, ces 3, 4 sont venus, ils ont compris que ce travail est dû à leur mari. Nous encourageons leur co-épouse de venir ici voir comment nous on souffre afin de rentrer à la maison, leur donner la ration. Pour ce qui est du travail des femmes, les statistiques s'améliorent au fil du temps. Surtout que la femme moderne ne se cantonne plus simplement au rôle de machine à procréer. Une évolution sociétale qui vient diminuer de plus en plus les inégalités hommes-femmes. Une autre affaire judiciaire met en branle la République du Cameroun. Elle concerne l'ex-ministre de la Défense, Edgar Alam Bongor, toujours dans les couloirs sombres de la justice. Alors que les auditions et les perquisitions se multiplient au moment où il bénéficie encore de la présomption d'innocence, jusqu'où iront les officiers de police judiciaire du TCS pour faire la lumière sur ce qui s'apparente à un scandale d'État. On fait le point avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Tout semble l'indiquer, Edgar Alam Bongor passera une deuxième nuit en garde à vue au tribunal criminel spécial. Contrairement aux annonces qui se sont multipliées dans ce dossier, il n'y est toujours pas question de détention préventive pour l'ex-ministre des Transports publics. Le procureur du tribunal criminel spécial peut procéder, selon les dispositions en la matière, à un renouvellement de la garde à vue du prévenu pour 48 heures après les premières 48 heures. Ce qui signifie, selon les indiscrétions, que le mis en cause pourrait séjourner au tribunal criminel spécial jusqu'à samedi. Ce temps est mis à contribution par le procureur du tribunal criminel spécial pour procéder à des vérifications suite aux premières déclarations du prévenu. Selon nos informations, il s'est avéré que les dires de l'ex-ministre de la Défense ne correspondent pas à la réalité sur le terrain après des enquêtes complémentaires. Au regard des différents dossiers, ces vérifications vont se poursuivre. Si les principaux co-accusés d'Edgar Alam Bongor sont en garde à vue avec lui au TCS, d'autres ne se sont pas présentés depuis mardi et font l'objet d'un mandat d'arrêt de cette juridiction. Quant aux pressions, elles ne sont pas exemptes de ce dossier. Le principal accusé ayant adressé une lettre d'excuse de 4 pages au président de la République, laquelle est l'argument majeur pour lui sauver la mise. Mais au fil des heures, la démarche du tribunal criminel spécial, dont les perquisitions au domicile d'Edgar Alam Bongor et dans ses entreprises, ainsi que la mise sous séquestre de ses biens, éloigne de plus en plus l'idée de sa remise en liberté. Et rappelons que l'ex-ministre de la Défense, Edgar Alam Bongor, bénéficie toujours de la présomption d'innocence dans le cadre de cette affaire. Parlons à présent de la préoccupation majeure des jeunes Camerounais, à savoir l'accès à un emploi décent et surtout la fin de ce sous-emploi observé au Cameroun et le gouvernement qui a décidé de mettre sur pied et de construire des centres de formation professionnelle. L'un a été modernisé du côté de Consamba, cependant très peu d'apprenants se mobilisent et se bousculent dans ce centre de formation. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a pu faire le constat lors de sa visite du côté de Consamba. D'autres précisions avec Cyril Diemba, Nadine Gwanfo et Kate Diarra. Vous parlez donc de cette visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle en Consamba pour apprécier les structures de formation professionnelle visant à donner des compétences aux jeunes Camerounais. Cependant, la structure est loin de faire courir les jeunes apprenants. D'autres précisions avec Cyril Diemba, Nadine Gwanfo et Kate Diarra. C'est dans ce centre spécialisé dans la formation professionnelle au métier que le ministre Issa Tiroma Bakari de l'Emploi et la Formation professionnelle a posé ses valises le temps de sa visite à Consamba. Spécialisé dans des filières telles que la soudure, la chaudronnerie, la menuiserie, la mécatronique, pour ne citer que cela, le centre vient répondre à un problème de chômage
Ceci par la diversification des offres de formation professionnelle basées sur l'adéquation formation-emploi. Et si le ministre s'est montré satisfait de sa visite, il a tenu à relever le faible taux d'apprenants présent au sein du centre. Pour l'instant, ce centre ne tourne pas à sa vitesse de croisière. Nous avons un nombre d'apprenants pas très important pour un investissement colossal. Et c'est le cas pour tous les autres centres. Il va falloir donc qu'on trouve moyen pour augmenter le nombre d'apprenants. Il va appeler les patrons d'industrie à y faire une excursion. Tous les centres que j'ai visités sont vraiment des centres avant-gardistes. Maintenant, il m'échoit en partage d'aller vers les capitaines d'industrie, le GITAM, le MECAM, ainsi de suite, qui viennent visiter ces centres pour réaliser la qualité de l'enseignement dispensé, afin qu'ils en profitent. Les sans-emploi, ainsi que les diplômés non qualifiés, gagneraient également, selon le ministre, à intégrer ce centre, afin de se rendre plus compétitifs et de booster leurs chances dans la recherche effrénée de l'emploi. Je profite également de votre présence pour inviter nos diplômés qui malheureusement pour l'instant n'ont pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas de métier, parce qu'ils n'ont pas été formés. Qu'ils prennent donc attache avec le ministère, avec les dirigeants des centres où ces centres sont implantés pour connaître les modalités d'accès. La descente du ministre représentera une occasion pour les dirigeants du centre de faire une évaluation à mi-parcours. Après presque un semestre de formation, nous sommes satisfaits de ce que nos apprenants ont pu apprendre ici et ont pu acquérir comme compétences. D'autant plus que certains venaient du système d'enseignement général qui n'avait aucun lien avec la pratique et avec la profession. Aujourd'hui, chacun dans son métier est capable de produire un outil. Le centre de formation professionnelle au métier ouvre ses portes à toute personne détentrice au minimum d'un BEPC ou d'un CAP. Sa construction ainsi que son équipement sont évalués à près de 3 milliards 800 millions de francs CFA issus de la coopération Cameroun-Autriche. Il est à son premier semestre de fonctionnement. Des publics reportages dans ce journal, CCA Banque et son ambassadrice Charlotte Dipanda se rapprochent des potentiels clients camerounais pour les édifier sur ces nouveaux produits bancaires axés sur le développement des activités commerciales et économiques au Cameroun. Reportage. Dans les agences crédit communautaires d'Afrique de Douala, une invitée inattendue. C'est Charlotte Dipanda, l'artiste musicienne, mascotte de la marque. Premier arrêt, l'agence de New Bell délocalisée au lieu-dit Carrefour Anatole, au marché central de Douala. La présence de la virtuose n'échappe pas aux fans et autres curieux. Le personnel du Crédit Communautaire d'Afrique lui réserve un bel accueil et l'engage dans une visite guidée. Elle se rend à tous les guichets et dans tous les bureaux, sans manquer d'échanger avec employés et usagers. Au sortir, c'est l'euphorie. La deuxième escale mène la caravane à l'agence du Crédit Communautaire d'Afrique de Bonanjo. Charlotte Dipanda prend d'abord connaissance de la maquette du prochain édifice du Crédit Communautaire d'Afrique avant de se prêter au rituel de la visite des différents bureaux des responsables. Entre la mascotte et la marque qu'elle représente, c'est une histoire de destin commun. D'une part, Charlotte Dipanda. Charlotte, c'est une femme qui, grâce à sa détermination, son goût du risque, son goût du travail bien fait a su composer des mélodies et qui ont permis qu'elle parte de son Douala natal. Et aujourd'hui, elle est une artiste de renommée internationale. D'autre part, le Crédit Communautaire d'Afrique. Qui a commencé son activité en 1997 à Bafoussam, dans un contexte où on observait des multiples fermetures des structures des sociétés coopératives. Aussi, grâce à la détermination des promoteurs des CCA, notamment M. Abenkemla,
et qui est un homme assez rigoureux. Merci à tous ceux et celles qui ont permis, de près ou de loin, à CCA de migrer banque. Je remercie les autorités, l'organe de supervision COBAC. Je remercie l'autorité monétaire à travers le ministre des Finances, M. Lupol Moutazé. La détermination et la confiance à réussir sont les éléments clés à la base de la collaboration entre les deux parties. C'est toujours plus facile de s'engager avec des structures qui sont déjà grandes, qui sont déjà grosses, qui n'ont plus leur preuve à faire. Et moi, c'était pas tout à fait un risque parce que c'était ma façon à moi de dire au CCA, j'ai confiance en vous et j'espère vraiment qu'en tant qu'entreprise nationale, vous allez pouvoir lever ce drapeau-là avec bravoure, quoi, en fait. Donc, je suis d'autant plus heureuse de participer à cette magnifique histoire qu'est l'histoire de CCA. Érigé en banque de premier ordre le 30 mai 2018 par les organes de supervision et de régulation, le Crédit communautaire d'Afrique est la deuxième structure continentale en matière de politique monétaire privative. Autant d'atouts dont devrait bénéficier chaque citoyen. Naturellement, en tant que citoyen, on devrait encourager toutes les entreprises citoyennes, d'autant plus CCA qui est performante, qui a fait ses preuves depuis une vingtaine d'années maintenant, qui est passée de microfinance à aujourd'hui banque. Je pense que naturellement, dans un élan de cœur, tous les Camerounais devraient pouvoir se reconnaître dans cette entreprise-là. Avec ses 42 agences présentes dans les 10 régions, ses 49 guichets automatiques et un personnel dont l'âge moyen est de 34 ans, parmi lesquels 57% de femmes, le Crédit communautaire d'Afrique a des armes pour rester leader. Le lycée technique de Souza est désormais doté d'un nouveau bâtiment grâce à la sollicitude des âmes de bonne volonté. Reportage. C'était une promesse faite aux populations de Souza Bonaberry dans l'arrondissement de Fiko par le député Mpako Koto Jean-Claude de regretter mémoire, doter le lycée technique de Souza Bonaberry d'un bâtiment de 4 salles de classe. Malheureusement, il n'aura pas eu la chance de vivre encore assez pour conduire à terme ce projet. Et pour que sa promesse ne tombe pas dans l'oubli, et en solidarité à leur tête de liste, ces deux colistiers que sont les députés Jean-Baptiste Bapté et Marguerite Dissaké Ekoka ont pris sur eux de tenir cette promesse. Pour cela, ils ont présenté ce désir de tenir cet engagement en mémoire de l'illustre député disparu précocement. Par cette réalisation, nous avons voulu non seulement honorer la mémoire de notre collègue Mpako Koto Jean-Claude, qui n'est plus, mais aussi nous avons tenu à concrétiser notre promesse de tout faire afin que son rêve d'œuvrer pour l'éducation de nos enfants. La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Fiko et a connu les présences du maire et de nombreuses personnalités. Après le mot de bienvenue du proviseur, dans lequel elle a exprimé la gratitude de la communauté éducative, elle a loué l'initiative et a invité les forces vives à continuer à se tenir aux côtés de ce jeune lycée qui a trop de besoins. Le délégué départemental d'enseignement secondaire a pris la parole pour magnifier cette proximité entre les élus et leur base. Il a remercié les partenaires pour le bâtiment qui, à ses dires, va aider les responsables du lycée technique de Souza à mieux encadrer les enfants à eux confiés. Les députés de la circonscription politique du Mungo Sud, qui, à la suite de l'honorable Mpako, perd son âme, ont continué d'arrache-pied l'œuvre édifiante en faveur de la jeunesse qu'il a bien voulu commencer. Nous disons grandement merci aux députés pour ce bâtiment qu'ils viennent nous offrir au lycée technique de Souza. Ça fait notre fierté. C'est que le Seigneur continue toujours à les bénir et les donne la force. Nous les disons grandement merci. Le sous-préfet de Fiko a rendu hommage aux députés d'Issaké Marguerite et Baptiste pour avoir donné à la mémoire du défunt député Jean-Claude Paco en réalisant ce bâtiment. Il a invité les responsables du lycée et tous les apprenants à faire un bon usage de l'ouvrage. Le bâtiment R-1 que nous allons tout à l'heure inaugurer est pour nous non seulement un motif de fierté, mais aussi et surtout un grand soulagement au regard du confort qu'il va offrir à nos apprenants. Que le Tout-Puissant bénisse cet ouvrage. Une cérémonie riche en son et en couleurs qui a été saluée par les populations.
honorable Issaké Kokamagiri et Baptiste Jean-Baptiste, par cet ouvrage, ont immortalisé la mémoire de leur défunt collègue Jean-Claude Paco Koto. Il fallait absolument que nous puissions réaliser pour la circonscription politique de notre collègue qui est décédé quelque chose. Donc je voudrais voir ces jeunes parler de manière pondérée. Je voudrais voir ces jeunes être pacifiques pour faire donc mieux que ce que nous avons pu réaliser. Le groupe scolaire Fotso Mueto, qui présente ses performances scolaires lors des derniers examens officiels et ses infrastructures mises en place pour améliorer la qualité de la formation des élèves sur son campus scolaire. Reportage. Ambiance des grands jours à l'école La Socialisation située à Koto, l'un des établissements du groupe Fotso Tueto. À l'occasion de la remise des médailles de travail au personnel, autour du fondateur, enseignants, élèves, invités, autorités administratives pour célébrer ce grand moment. Ces médailles en or, argent et vermeil représentent ainsi le fruit de longues années de bons et loyaux services. Les médailles d'honneur de travail en argent. Au total, plus de 134 médailles ont été décernées. Depuis sa création en 1975, le groupe scolaire Fosso Tueto a vu défiler de milliers d'élèves et entend aller bien plus loin dans sa mission. Pour le groupe scolaire Fosso Tueto, j'ai une très haute idée de l'avenir de ces établissements. Je compte beaucoup pour le devenir de chacune des écoles. Et c'est pour ça que je demande à mes collaborateurs tous les jours de travailler les mains dans la main et efficacement. Je leur dis d'enseigner, renseigner, répéter aussi longtemps qu'on aura répété jusqu'à ce que l'enfant retienne ce qu'il doit retenir. J'ai en projet aujourd'hui un établissement qui s'appelle Institut secondaire des arts et métiers, où l'enfant en sort nanti des connaissances pour s'installer pour son compte. Le groupe scolaire Fosso Tueto compte 7 établissements parmi lesquels 6 écoles primaires, un établissement secondaire général et technique, tenu par des enseignants et responsables qualifiés rompus à la tâche. Le groupe scolaire Fosso Tueto compte à ce jour 7 établissements et 230 enseignants sur mon encadrement. Nous mettons l'accent dans ce groupe sur la formation intégrale. Tous nos établissements sont bilingues. Nous avons des salles multimédia pour permettre aux jeunes apprenants de s'initier à l'outil informatique. Au fil des années, le groupe scolaire Fosso Tueto a su gagner le cœur des parents et des apprenants à travers les résultats obtenus aux examens. Le collège INTAC, c'est une institution scolaire d'enseignement secondaire qui est située à Bepanda, au quartier Double Balle. Et cette institution est composée de 3 sections. Il y a la section générale, il y a la section technique commerciale, il y a la section anglophone. Ça veut dire que l'établissement est bilingue. My personnel are doing their best to do their work, especially with the new program that the government have put in place. Even though it's a worry, but they are so adapted to the new program. They are doing their best to put what the government has put in place to inculcate the children, to learn the new skills, the new syllabus, and everything is moving well. Je suis actuellement directeur de l'école bilingue La Socialisation. Tout le personnel assiste à plusieurs activités préscolaires, activités pédagogiques pour le bien-être de l'école et pour la formation des apprenants. Pour le futur, le fondateur entend mettre sur pied une école des arts et métiers pour permettre aux jeunes de bénéficier d'une formation en adéquation avec leur ambition d'insertion dans le monde de l'emploi.
Créé en 1975, le groupe scolaire Fosso Tchueto compte plusieurs établissements, parmi lesquels l'école bilingue Martin Luther King, le collège Intac, l'école privée bilingue La Socialisation. Des cadres adéquats qui favorisent le plein épanouissement des apprenants. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Maître Michel Ndoki, placé sous mandat dépôt, mandat détention provisoire. Vous l'avez signalé, la décision est tombée en début de soirée après son audition au tribunal militaire à Yaoundé. L'information est rendue publique par le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibou-Nissa, qui rappelle qu'elle a gardé son sourire face à cette décision du juge de l'inculper et de la placer sous mandat de détention préventive du côté de Yaoundé. Garde à vue de Edgar Lem Bungor, reconduite. Elle a été reconduite selon les informations qui nous parviennent et vous avez suivi comment cette affaire met en branle la République du Cameroun entre des manœuvres qui sont en train d'être effectuées pour le sortir des griffes de la justice et également cette décision des OPJ d'aller jusqu'au bout de leur enquête avec ces perquisitions et auditions qui se multiplient concernant d'autres personnes plus ou moins impliquées dans le cadre de cette affaire. Et il faut toujours le rappeler, l'ex-ministre de la Défense bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Madame, monsieur, dans un instant, deuxième partie, Equinox, toujours en compagnie de nos quatre invités.